Bonsoir à tous et bienvenue sur mon channel. Ce soir on se retrouve avec Our Darker Purpose, un jeu indépendant qui m'a vraiment attiré puisqu'il ressemble un peu à un Binding of Isaac. Vous savez, ce genre de jeu où on est confiné dans une pièce qui est générée aléatoirement, donc chaque pièce est générée aléatoirement. On a des mobs à tuer, des items, des pouvoirs, un nombre de vies, et en fait voilà, donc le but est d'avancer, de tuer tout le monde et de descendre, enfin là c'est monter plutôt parce que c'est une tour, le plus haut possible. Ça a l'air un peu flou comme ça, je vais vite fait vous montrer le gameplay. Donc voilà, donc on incarne cette petite fille, et donc vous voyez en bas on a notre barre de vie, donc 100 sur 100 c'est la vie. En haut à gauche, on a du jus de fruits avec un cœur, c'est ce qui redonne de la vie. Donc de base, il donne 20 de vie. Mais avec certains items, on peut avoir des level up, donc genre 25 de vie par jus de fruits utilisé, ou 30, 35, enfin. On verra ça sur le fil du temps, puisqu'on a des sortes de distributeurs qui permettent d'acheter des items. Ensuite, SP en bas, donc c'est le temps avant de pouvoir refaire une roulade. Vous voyez? Donc on peut faire des roulades. Donc ça n'esquive pas les attaques, sauf en cas de... Enfin, sauf si on a un item qui donne du dodge, donc de l'esquive. Ce qu'il y a en E, en haut à droite, c'est les items activables qu'on pourra peut-être avoir tout à l'heure, on verra ça. Et le R, donc c'est un nuage, en fait c'est des cigarettes, c'est un nuage de fumée défensive qui détruit les mobs qui se trouvent à l'intérieur. Pareil, à l'intérieur de la fumée, on pourra dropper des items qui donnent des bonus, notamment un gain de vie quand on reste à l'intérieur des nuages, ou alors qui tirent des flèches de feu. Il y a vraiment plusieurs items. Quel genre de plus? Donc voilà, donc vous voyez le type de salle. Donc là pour l'instant c'est la salle c'est une des salles de départ, donc on a que une entrée. On voit également la carte, donc en rouge. Notre position est indiquée par un point rouge et les portes par des carrés jaunes. Voilà. Bon, je vais pas vous mentir, tous les étages se ressemblent. On n'a pas vraiment d'étages différents. Mais ça vaut le coup d'œil. J'ai passé plusieurs heures sur ce jeu et j'ai toujours pas fini entièrement. Il est très très difficile. Voilà, donc on a de nombreux ennemis. Donc on a les objets qu'on ne peut pas casser, comme cette table. Par contre, la boule là, qui roule peut les casser. Il y a certains ennemis qui peuvent les détruire. On a... merde, pardon. On a donc des items, voilà, comme là, activables, soit quand on tire dessus, soit activables au hasard. Donc là, c'est de l'électricité qui s'active tout seul. Et on a les ennemis qu'on peut tout simplement tuer. Vous voyez ce que je viens de ramasser, là? C'est une pièce, donc ça va servir à acheter les items. En appuyant sur C, on peut voir donc notre XP. Oui, puisqu'il y a l'XP, la vie, les dommages, enfin, il y a beaucoup d'informations. Les items que l'on drop... etc, etc. Voilà, je vais vous la faire en fast. Voilà, donc là on a différents types d'ennemis. Donc on a les araignées qu'on a vu tout à l'heure et les poubelles. Alors si vous êtes joueur de Vayne dans League of Legends, vous devrez apprécier ce jeu parce que c'est exactement le même principe. Donc roulade, tir, enfin, sauf qu'on peut en tirer beaucoup plus qu'avec Vayne. Il y a un ennemi qui a droppé un jus de fruits. Donc je ne peux pas le ramasser puisque mon nombre maximal est de 6. Ce nombre varie en fonction des parties que vous aurez fait. En fait, vous pouvez acheter des power-up à la fin de la partie. Et ces power-up en fait vous donnent droit à certains bonus. Et donc le bonus que je viens de vous expliquer, c'est pour augmenter la capacité de jus de fruits qu'on peut ramasser et qu'on peut stocker dans son sac. Voilà, donc là il m'a donné un item que je vais adorer, c'est pour moi le meilleur du jeu pour le moment. C'est un item qui vous donne que des critiques jusqu'à ce que vous preniez un certain nombre de dommages. Je crois que là c'est 90.
Et à chaque level up, on obtient deux choix. Donc là, c'est soit 20% de move speed, de vitesse de déplacement, soit 10% de dégâts en plus, avec un bonus qui permet de dropper plus de nuages. Enfin, c'est pas, ça s'appelle pas des nuages, c'est des cigarettes, mais. Voilà. Donc je pense que je vais prendre les dommages. Puisque les critiques plus les dommages au début de la game, ça va faire très très mal. Voilà, donc ça, c'est. Exactement ce que je vous disais au début, c'est les trucs. Enfin, voilà quoi. Donc il y a différents items. Alors on va peut-être les utiliser tout de suite. Donc là on a le jus de fruits. Que vous savez, le shulk, donc c'est les nuages. Ça c'est un item activable, donc c'est écrit on use. Ça ralentit les ennemis pendant 2 secondes. Et ça, c'est ça s'appelle un item mérite, c'est-à-dire qu'il faut faire une certaine condition pour que ce soit activable. Donc là, c'est 12 kills d'affilée sans faire de roulade. Ça nous donne 20% de résistance aux coups ennemis en plus. Ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas que ces 4 items-là, hein. La plupart des distributeurs retrouvent le juice box et le shulk. Mais les deux derniers, ou les trois derniers, parce que des fois il y en a 5. Force 6, jamais été jusqu'à 6, sont souvent différents. Voilà. La différence entre Binding of Isaac et ce jeu-là, c'est que les items sont décrits et qu'on sait à quoi s'attendre quand on fait l'achat, contrairement à Binding of Isaac où on était obligé de prendre l'item, le tester d'abord ou d'aller sur Wiki Binding of Isaac. Les deux méthodes étaient bonnes d'ailleurs. Enfin bref. On va reprendre. Alors, vous voyez, cette porte est différente. Puisqu'en fait, il s'agit d'un boss. Donc, on a différents types de boss. Hein, c'est relatif. On a donc ce boss-là qui est un boss plutôt facile. Vous voyez, sa vie diminue extrêmement vite. Puisqu'en fait, j'ai l'item de critique. Voilà. Par contre, on va pas faire ça tout de suite. On va récupérer la vie. Oui, autant être ordonné. Il nous manquait 4 de vie et on avait une boîte disponible. Donc, bah, autant utiliser une boîte de jus de fruits et récupérer l'autre. Pardon. Bon, au début c'est assez simple, mais je vous le dis, il n'est pas si facile que ça. Ok, donc on va regarder dans les coins. Donc vous voyez, la vision est diminuée en fonction des niveaux. Même après l'avoir, bon, je l'ai jamais terminé, mais je veux dire, c'est pas un jeu qui sera terminable au bout de d'une ou deux parties, puisque vous allez vraiment avoir besoin de vie et de dommages. Et comme c'est aléatoire, c'est assez compliqué. Je ferai pas non plus une vidéo extrêmement longue. Je vais juste vous présenter le jeu dans sa totalité. Donc, vous voyez les ennemis qu'on voit là, juste devant, là, eux, ils permettent de poser un tapis de clous, on va appeler ça des clous. Merde. Ah oui, j'ai pas parlé des ennemis en rouge. Les ennemis en rouge, en fait, drop des items. Mais par contre, ils sont plus puissants, beaucoup plus puissants. Donc là, il nous a donné une tortue. Je crois que ça les ralentit pendant une certaine durée. À chaque fois que je le touche. Par contre, j'aimerais bien passer. Alors non, c'est une résistance, pardon, complètement à côté de la plaque, donc 10% de résistance au coup. Donc ces monstres-là jettent des bulles. Ils sont très très simples, c'est les plus faciles. Ah merde, j'étais directement au boss, ah j'ai pas fait attention. Alors ce dragon-là, je l'aime pas. Donc il est assez simple dans l'idée, il faut juste se cacher derrière le pic de glace et attendre qu'il dash. Voilà, le truc explose et puis il suffit de refaire la même chose.
Mais j'aime pas ce genre de boss puisque on n'y fait pas grand chose en fait, il se passe rien. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais pas aller tout de suite. Donc là on nous propose soit 50 de vie, soit moins 20% de vitesse de déplacement avec un bonus plus de... ouais non ça sert à rien. Je prends la vie. J'aime pas avoir des bonus qui nécessitent un power down. Donc clairement je choisis toujours la vie quand c'est comme ça. Peut-être c'est pas une bonne idée, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. Ah tiens. Apparemment j'ai droppé un... Oula, se détruit dans 15 secondes. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. C'est pas par là, c'est pas par là. Oh là là, j'arriverai pas. Ouh, je l'ai eu. Donc là... sur le fil. Donc là on a un item qui lui donne 50% d'XP en plus. Et c'est vraiment pratique au début hein, parce que vaut mieux avoir les items dès le départ. Donc tout ce qui concerne la vie et compagnie. Tant qu'on a nos bonus en fait hein, clairement. Voilà, donc là bien regarder si on n'a rien oublié. C'est pas qu'on puisse pas revenir dans la salle juste après. Mais c'est quand même mieux. Alors on a 8 rien d'intéressant. Donc pareil hein, gardez votre argent. Le plus souvent vous en aurez plus besoin dans les prochains étages. Soit pour récupérer de la vie. Ou soit tout simplement pour avoir des meilleurs items. Ah oui, j'ai pas parlé d'un truc. Donc vous voyez là, donc on peut choisir parmi plusieurs salles. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle Reward. Donc vous voyez le truc rouge là. Ça, c'est la récompense qu'on obtient en finissant dans la salle là. Enfin, l'étage. Ça, c'est des trucs qui permettent de soit de vous mettre des compétences passives. Ou soit de payer un mec qui lui va vous donner des passifs. Et c'est aléatoire, je crois. Je sais pas trop comment ça marche. Hop. Donc là, on a toujours nos 6 box. Voilà, donc là, le mec en rouge, là, quand je me ferai toucher par le... Si je me fais toucher par le nuage vert... je suis désorienté et toutes mes touches sont complètement à l'envers en fait. Ouais, je tête up avant de finir le... C'est cool, on a beaucoup de salles... Alors, on a 50% de chance d'esquiver un coup en faisant un roll, donc en roulant. Par contre, il se détruit au bout de 120 dommages, je crois. Et croyez-moi, ça va très très vite. Hein. C'est pas ce qu'on croit, où on peut se dire... on va pouvoir prendre 10 000 coups avant que le truc soit se défoncer. En général, ça va très très vite. Ouais, donc là j'ai déjà pris 7 de dommages. Ah oui, j'ai pas parlé d'eux. Eux ils peuvent détruire tous les items. Donc qui sont dans les salles qui sont normalement pas détruisables. Et ça peut être vraiment pratique. Des fois il y a des items qui se cachent derrière. Et justement il faut éviter de les tuer avant de faire casser ce truc. Alors du coup bah, c'est bien, on va gagner deux niveaux puisque j'ai droppé tout à l'heure un item qui permet de up d'un niveau
en passant le prochain étage. Donc soit on augmente 10% l'attaque speed ou soit on gagne 50 de life. Alors, on va prendre celui-là pour. Pour changer. Donc là on attaque un peu plus vite. Ça peut être assez pratique dans certains cas. Notamment pour les boss. Bon, après il n'y a rien de particulier. L'histoire se répète un peu on va dire. Les étages se ressemblent. Au début les ennemis sont tous pareils. Il n'y a vraiment que les boss qui changent par rapport aux autres. Ah oui, alors moi je suis un fan de faire toutes les salles. Oh, je déteste celui-là. Voilà pourquoi je déteste celui-là. Il nous enlève notre visibilité et dans l'obscurité on voit pas grand-chose. Bon là ça va, heureusement qu'on a l'item qui permet de mettre des critiques parce que sinon on se le serait pas fait en 2-2, croyez-moi. Alors voilà, donc là l'icône est complètement différente, donc ça c'est carrément un boss plus dur. Ah oui c'est vrai, on avait move speed ou damage. On va prendre ça parce que les items en fait, les ennemis vont dropper plus de jus de fruits et compagnie. Donc deux fois plus de chances d'avoir un drop de jus de fruits, de nuages ou de bah, d'autres choses. Ah oui, alors là les mains que vous voyez. Oh là là, attendez, je vais d'abord faire cette salle parce que là. Ok, donc les mains. Ah, c'est pas fini en fait. On va attendre. Donc voilà, les mains donc vous mettent des dégâts et elles apparaissent de cette façon. Donc une fois qu'elles sont apparues et qu'elles ont fait leur tour, vous êtes tranquille pendant une ou deux secondes. Et il faut profiter de ce temps-là en fait, bah, tout simplement pour. Pour s'enfuir. Ah, ça y est, je mets plus les critiques. Alors ça c'est un item qui permet de mettre des dégâts à chaque fois qu'on se fait toucher. Donc à l'ennemi, sauf que bah l'ennemi des fois il attaque à distance, clairement. Donc c'est pas utile tout le temps. Ah, je suis dégoûté qu'on ait vu notre item là. Du coup ça va être un peu plus long pour les tuer. Alors ça c'est excellent, ça permet de tirer deux trucs de flamme quand on ne bouge pas. Et une fois j'ai déjà réussi à en avoir trois. Alors là on a beaucoup plus d'items de dispo. On a quoi 15% de slow on hit. Et on va prendre ça. Et on va garder le reste. Donc ça va nous permettre de ralentir les ennemis quand on les touche. Donc ça se voit pas vraiment 15% mais... très pratique. Ok, donc encore une salle où il se passe rien. Bon après vous adopterez des techniques hein, ça c'est.
encore une salle où il n'y a rien. Et après celle-là, on pourra aller directement au boss. Ou pas, puisqu'on a encore deux salles. Ok. Alors encore une ou rien, il n'y a rien du tout. Ça m'embête un peu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? De vie. Alors pourquoi j'ai pris ça, puisque contre les boss on va avoir du mal, et avec ça on va pouvoir justement se libérer un petit peu. Par contre j'ai perdu énormément de vie, j'ai dû prendre pratiquement la totalité de tous mes... Oh, je déteste ce boss. Pourquoi j'attaque celui-là avant? Tout simplement parce que c'est lui qui libère des... ennemis. Voilà, donc là on est tranquille. À part lui, hein, carrément. Lui qui viendra tout le temps nous faire chier de toute manière, donc hop, donc on n'a plus que la maison. Et il y aura un boss qui va pop à partir de je ne sais plus combien de temps. Pratiquement à la fin. Ok. Je déteste ce boss, hein, je préviens. C'est... il est pas très dur. Mais il est très chiant. Voilà pourquoi. Ça, tout le temps, il nous balance des trucs magnétiques qu'on peut à peine esquiver. Je déteste ce boss. Ok, donc on l'a battu. Donc en ce qui concerne les objets, donc on en a plusieurs. Donc on en a notamment qui nous donnent, par exemple, ça peut être des boosts
des boosts de vitesse sur des roulades, ça peut être ça peut être quoi? Il y a des items qui vous donnent en fait des bonus au démarrage. Donc là j'ai un item d'activer qui donne des jus de fruits supplémentaires. Ça c'est super important. On a aussi bon, ça, les prix varient hein, donc on a beaucoup de prix. Il y a aussi des trucs qui permettent d'avoir plus de salles par étage et d'autres qui permettent d'avoir des salles de machines supplémentaires. J'ai pas encore tout découvert, donc ce sera de toute façon au fil du temps. Et j'ai encore pas mal de parties à faire avant d'arriver là. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est lui, donc le mec que vous voyez là, donc c'est le consul, on va dire. Cette personne vous donne des bonus en fonction de cristaux que vous lui donnez. Plus vous donnez de cristaux, plus il vous donne de bonus. Donc là, je vais déjà donner plutôt pas mal au niveau bonus. Mais je vais continuer à les donner puisqu'ils donnent vraiment pas mal d'avantages. Donc c'est plutôt bien. Et donc voilà. Enfin bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo ou pas, puisque je ne sais pas si je vais continuer. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Salut à tous!